mesdemoiselles et vous, messieurs. Pour votre oui, je vais me décrire. Laissez-moi faire pour votre plaisir. Je suis ici pour vous divertir. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Je parle aux êtres féeriques pour vous créer un instant unique. Vous apprenez toutes mes techniques et vous vivrez des moments magiques. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Si vous souhaitez de profonds changements, venez à moi, écoutez mes serments. J'use de mes charmes et de mes talents pour vous offrir une femme et des amants. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Les chers gens, oubliez votre dette et libérons ensemble la bête. Venez avec moi chanter à tue-tête, boire des bières et faire la fête. Du coup, Anna revient avec Skapti. Et en arrivant, Skapti va voir Athalys, lui faire un petit sourire, dire « Ah, excusez-moi, j'ai oublié de prendre une salade pour vous aussi. Mais c'est pour votre ami, pour m'excuser pour le cheval. » Et du coup, il s'avance vers Ilana, se baisse un petit peu. Veuillez m'excuser pour cet incident, je n'ai pas été très très efficace. Pour me faire pardonner, veuillez accepter ce modeste cadeau. Je viens juste de la découper dans mon jardin. Alors, elle est toute fraîche. Athalys, elle fait un sourire encourageant à Ilana. Je regarde la salade. Et moi, je fais un sourire encourageant à Skapti. Je regarde Athalys. Merci. Je récupère la salade sans trop savoir où la mettre. Et puis elle regarde Léa à côté, elle chope 2-3 feuilles et elle les tend à son cheval en mode. Quelle bonne idée vous avez eue, Skapti. Voilà de quoi vous réconcilier. Oui, bah j'espère. Savoir qu'un qui est Léa. Oui, bah les chouis, ils adorent les salades. Enfin, tu vois qu'il est un petit peu perplexe pour le coup, mais il a un petit peu l'impression d'avoir fait une bêtise. Mais si cela est réglé, je vais peut-être retourner surveiller les loups. Hein, vous inquiétez pas, je vais m'en charger pour la nuit. D'accord. Je pense qu'on se mette à l'abri. Oui, moi je préférerais rentrer au sec, si ça dérange personne, et si Oléane n'a plus besoin de nous. Oui. Je pense. Et je remets quelques feuilles de salade à Oléane. Pas trop parce que... Après, va m'embêter tout le temps. Je la caresse et je rentre. L'histoire de la salade va être mémorable. Du coup, je m'approche de Skapti et je lui dis, c'est très bien joué. Maintenant, pour conclure, il faut que tu leur apportes un petit cadeau demain matin à leur réveil. Qu'est-ce qu'elles vont aimer le matin? Qu'est-ce que je peux leur amener le matin? Moi j'aime bien. Je sais pas ce que j'aime bien le matin. Je mange un petit peu de tout. J'aime bien la viande séchée le matin.
manger les restes du soir. Je vais amener quelques restes. Je fais un tour en cuisine pour voir ce qui reste et j'amènerai ça au petit déjeuner. Plutôt quelque chose comme un bouquet de légumes. Ah, ce troll. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, je vais lui amener carottes, patates. Ah, je suis sûr qu'elle en sera ravie. D'accord, je ferai ça. Et puis, si tu le veux pour la deuxième, ouais. Je suis sûr que ça serait très bien pour une bonne impression pour Athalie. Ouais, effectivement, ouais. Je vais lui en faire un aussi. Effectivement. Mais tu vas le ruiner, ce pauvre ogre. Vous êtes sûr que vous qu'elle a apprécié la salade, parce que j'ai l'impression que du coup c'était plus pour son cheval, pour le coup. Elle a très bien apprécié son cheval, et quelqu'un de très important pour lui et pour elle, de ce que j'ai compris, et donc c'est vrai que aider son cheval lui permettra de gagner sa faveur, d'autant plus. Ouais, de nos jours, aider son cheval, c'est un petit peu comme aider son prochain, c'est important. Hein. C'est un peu comme une partie d'elle, j'en suis sûr. Et puis, Aliana veille sur nous. Qui? Aliana. Ah oui. Oui, je sais pas, je l'ai pas vu. Elle est où? Elle nous regarde? Oh, je suis sûr qu'elle a les yeux rivés sur tout le monde. Non. C'est incroyable, ça. Bon. Bon, sur ce Scapi, je vais aller à l'abri, hein. Vous direz soir aux trois dames, du coup, hein. Et moi, je rentre chez moi. Je n'y manquerai pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce que vous avez mis en place, ça devrait tenir un petit peu quand même, la Scapi. Oui, ça devrait tenir au moins... Ok. Au moins 2 heures. Ok. Je vais rentrer dans l'auberge et puis d'ici 1h30, j'irai pas dans ma chambre, j'irai passer ma nuit dans là-bas, avec les lits. Pour être sûr que rien ne se repasse de travers. Je sais pas s'il y a quelqu'un en cuisine, en France. Alors, vous, quand vous êtes rentré dans l'auberge, ce que vous avez vu, c'est qu'il y a une sorte de petit échauffement de voix au niveau de la grange. Du côté de Scapi? Non, de l'autre côté? Non, de l'autre côté, ouais. Bah, Thalys, elle est pas spécialement curieuse, donc elle va juste s'attendre et... Enfin, à s'asseoir et attendre qu'on s'occupe d'elle. Ou qu'il y ait quelqu'un qui a besoin d'aide. Pour le moment, ça la dérange pas. Si ça continue... C'est ça, s'il y a des bruits de violence ou de coups, on va intervenir, je pense, mais... Enfin, moi, j'interviens. Mais... Ah bah, est-ce que vous avez peut-être pu voir de violence et les parents qui étaient en train de tenir une petite fille qui était visiblement ulcérée face au nain et qui est, elle, devenue un petit peu hystérique. Le nain, ça allait, mais la petite fille, moins bien. Un petit peu furieuse. Le nain, c'est pas notre compagnon. Non. C'est l'autre nain. C'est le nain qui a dit l'attachement. Elle a 13 ans. Oh, je suis pas dans les illustrations. On a fini notre repas? Oui, vous avez fini votre repas. Vous avez des pichets à disposition si vous voulez continuer la soirée à autre chose, à poursuivre. Bon, de toute manière, si j'ai bien compris, on doit attendre demain pour pouvoir attendre encore le lendemain que le mentor arrive. Ouais, c'est ça, c'est une perte de temps. Bah, Ilana, oui. Une fois qu'elle a fini sa bière, elle va rapporter ce qu'on a fait, ses assiettes sales, etc., dans la cuisine. Ouais. Bah, Athalys, pareil, elle a été élevée. Elle va prendre congé de ses compagnons Alors, Athalys, elle va par contre se permettre de prendre congé gentiment en disant excusez-nous, mais nous avons eu. Une altercation tout à l'heure, Ilana et moi, nous avons vraiment besoin de repos. Si vous n'avez plus besoin de nous, je pense que nous allons essayer d'aller prendre du repos cette nuit. Et on se donne rendez-vous demain pour la visite de la ville. Très bien. Bien sûr. Ouais, d'accord. Il y en a un qui est super enthousiaste. Moi, du coup, moi,
je me lève et puis je vais dans ma chambre. Athalise, elle ramasse, elle se fait un petit à la main. Elle met dans sa main un petit peu des restes de sa gamelle et elle pose sa gamelle en cuisine avant de monter avec son petit ses restes dans sa main comme ça. Elle monte à l'étage. Moi je demande, Georgia il est pas là? Georgia, il va si vous mettez un petit peu de temps à me remonter, vous allez le voir progressivement revenir. Oh là là, ma fille, quand elle s'y met, elle est dure à tenir. Mais au moins, ce nain aura compris qu'il faut pas prendre ma fille pour une débutante. Et vous avez apporté le lait à ma chatte? Ah, j'ai oublié. Bah, donnez-moi le bol de lait, je vais l'emmener directement. Ouais, si vous voulez, parce que là, faut que je m'en remette. Tenir ma fille, c'est pas une chose si évidente que ça. Hein. Bon. Bah, bonne nuit, je crois que vos compagnons sont partis se coucher. C'est bien. Bonne nuit. À demain. Ouais, moi, j'aurais... À demain. J'aurais salué tout le monde, j'aurais pris congé, je serais retourné dans ma chambre chercher mon sac, et je serais retourné là où il y a les loups pour passer la nuit là-bas. Ouais. Du coup, vous aurez entendu Walnard un gling-gling devant la porte. C'est la chambre... C'est la chambre d'Erin, on va pas traduire. Tu vas voir un nain facile dans le couloir. Ah, cette petite fille, là. Non, mais crois quoi qu'elle va réussir à acheter mes épices comme ça, celle-là? Non, mais tu rigoles. Vu le prix qu'elle me propose. Il y aura des questions que je baisse mes prix, moi. Mais il shoote un petit peu le mur qui se casse un petit peu au niveau de la chambre à Erin à côté. Mais ça va, ça reste debout quand même. Oh, Alnar s'endort aisément. Ouais, pour le coup, si le nain continue à grogner ou s'il y a des gens qui ronflent, Athalise, elle aura peut-être besoin de se faire des petites boules qui est, parce que là d'où elle vient, c'est plutôt mieux isolé que ça. Mais elle va se coucher en souriant, qu'importe le bruit, elle a l'habitude de voyager dans des caravanes ou genre de choses. Donc... Que ce soit le bruit de la nuit, des animaux, deux compagnons un peu bruyants. Et du coup, on va sauter la nuit, hein. Je pense que vous aurez bien dormi. Ouais, ça va être un repos, quoi. Un repos long. Ah. Oui. Oh, la place, même sans demander. Sauf pour Erin, du coup. Ah, c'est vrai? Bah oui, la survie, il est où? Ah bah j'ai dormi là-bas avec eux. Après je sais. Oui, mais repos court. Ok, ça marche. Je peux dépenser un dé de vie? Oui, si tu veux. Du coup, on peut remonter tous nos points de vie, c'est ça? Vous, à l'auberge, oui. D'ailleurs, ça veut dire qu'on n'a rien eu au repas, hein, par rapport au flacon dont elle nous avait parlé, enfin, dont il nous avait parlé pour guérir un petit peu, tout ça. Non, mais bon, je pense que c'était plutôt des bandages qui... Ouais, non, je sais pas s'ils nous ont... Ah, oui, pour pour Alnar. Oui. Pour Alnar, oui. Ils t'ont donné bandage et une fiole, ils t'ont dit que tu avais juste à le prendre, et ça te soignerait ta plaie. Par contre, tu leur as pas demandé pour savoir s'ils avaient d'autres trucs. Ah si, tu leur as demandé, et du coup, t'avais dit qu'il fallait aller voir... Si jamais ils avaient du rab, hein. Voilà, après, s'ils n'ont pas, ils n'ont pas, mais... Mais non, il faudra plus que t'ailles voir Elpir demain matin. Ouais, ok, pas de souci. Bon, alors, je vais pas utiliser de... quoi que ce soit. Ok. Du coup... vous êtes le matin, vous vous levez... Tout est prêt pour déjeuner. Il y en a avant le déjeuner.
Donc moi je suis réveillé à l'aurore, hein, donc vraiment tôt le matin. L'habitude. Oui, Athalys, pareil, elle se lève. C'est pas une lève tard, c'est son furet qui va lui mordiller l'oreille pour se réveiller. Lana, elle va se lever un peu plus tard, mais pas du tout. Enfin, grâce mat, elle va faire ses affaires. Moi, quand je me réveille, je range mes affaires et puis. Je me retrouve dans la pièce commune, dans un coin comme hier. Ouais. Pareil, je me serais levé super tôt, et puis je serais allé voir, aller vérifier les loups, les rassurer pour qu'ils restent encore tranquilles le maximum de temps possible, et je serais allé dans la salle commune après. Bon, Thalys va arriver pas loin après, le temps de faire ses ablutions, elle laisse Prune dans la chambre toujours avec ses affaires. Prune dort. Et du coup, elle arrive et elle te salue direct. Pardon, je parle en même temps. D'ailleurs, est-ce qu'elle a eu quelque chose Tu veux pas la mettre dans ton inventaire? En arrivant, elle juste... te salue, Ankhte. Bien le bonjour, vous êtes drôlement matinale. Ouais, vous aussi. Toujours. Au temple, il n'y a pas de place pour les leftards. Apparemment. Du coup, elle se débrouille pour se faire son petit déj, je pense, à moins qu'il y ait quelqu'un pour nous servir, mais... Alors oui, il y a quelqu'un, ils se sont levés quand même. Hein. Vous avez Katna qui vient vous servir, et Ankhte qui s'occupe, du coup, vous le voyez passer avec des seaux, sans doute pour remplir le baquet à... Et j'ai oublié, à Ilana. Pardon. Oh non, mais des ablutions, ça sera rapide, hein, c'est... Ah, excusez-moi, je me suis dit que vous aimeriez avoir de l'eau propre pour vous laver dans votre baquet. Veuillez m'excuser. Alors, pour le coup, moi, je veux bien, s'il vous plaît. Non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, si madame s'en sert pas, prenez de l'eau. Être à votre guise, madame. Merci. Et du coup, vous voyez Skapti rentrer à l'intérieur. Du coup, normalement, Athalys et Ilana, vous êtes pas là. Ah, pardon, on est arrivé trop tôt. Et du coup, messieurs, vous voyez du coup Skapti qui arrive avec deux grands paniers garnis, bien enrichis de patates et de carottes. Je regarde Anna, je fais t'as pas honte. Enfin, sans rigoler. Du coup, Alnar, il est réveillé, c'est ça? Non, Alnar, il est encore dans sa chambre. Il assume pas. Non, c'est juste que c'est un leftard. Messieurs, vous auriez pas vu les filles par hasard? J'ai des petits cadeaux pour eux, pour elles. Je les ai pas encore vus, je pense qu'elles doivent être encore dans leur chambre, a priori. Ouais, bah je vais pas y aller, hein, je vais... Ils sont ces entrefaits, j'arrive à l'extérieur. Alors bonjour, tu vois qu'ils se lèvent. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ma chère Ilana, j'ai un petit cadeau pour vous. Regarde mes deux compagnons. Et Athalys arrive à ce moment-là, elle te fait à nouveau un grand sourire encourageant. Moi, tu me regardes, je hausse les épaules, j'ai l'air dépité. Je sais pas. Mademoiselle, vous êtes là aussi. Oh, bah, ça tombe bien parce que j'ai deux cadeaux. Oh, vous allez voir, vous allez être contente. Comme c'est gentil. Bien. Vous avez pensé à nous. Vous montre, du coup, bah oui, quand même. Quand même, je sais pas comme ça. Et du coup, ils vous montrent les deux paniers et vous disent c'est pour vous. Mais c'est en quel honneur tout à fait, Skapti? C'est pour me faire pardonner pour hier soir pour le cheval et puis pour vous avoir obligé à aller sous la pluie.
Oh, vous avez déjà présenté vos excuses, vous savez, nous ne sommes pas rancunières, n'est-ce pas, Ilana? Ouais, effectivement. D'ailleurs, Oléa vous remercie pour la salade. Oui, oui. Et, merci, du coup. Merci, c'est bon. De rien, mais là, elle parle, mais elle regarde un peu le sol. Bien, bien. Je comprends que vous soyez gêné. Ce sont des sacrées carottes et des sacrées patates. Mais vous en faites pas. Ça ira. Si vous voulez d'autres, je vous en donnerai. Oh non, on va pas déballer. Alors là, pour le coup, Athalys, elle intervient, tu vois, parce qu'elle voit bien que ça, il va s'emballer là. Donc elle l'arrête un peu. Elle fait, oh non, ça suffira. Nous sommes gracieusement nourris par nos hôtes. Et puis, je pense que nous pourrons les conserver pour notre voyage. Et elle prend du coup tout parce qu'elle voit que Ilana a pas l'air de vouloir faire un geste. Bah, j'allais prendre d'accord. Le paquet. D'accord. Bon, bah voilà, elle prend son paquet aussi. Ce serait possible que vous venez à cuisiner pour ce soir? Et je t'en prie. Oh ben, je ne pense pas que ce sera merveilleux. Et je regarde. Oh ben, merci. J'ai une recette de petits ragoûts. Quelle merveilleuse idée! Oui, puis le rat, ça se cuisine. Le rat. Du coup, Anna reste à l'endroit où il est et il regarde Cathy et il lève les deux pouces en disant « Père !» Est-ce qu'on comme le voit, nous? Faites un jet de perception contre un jet de distorsion. Oh ben alors là, à mon avis... Fais ta discrétion. Après, je me cache pas forcément, hein, mais... Non, Thalys, elle est trop occupée à faire des sourires encourageants à tout le monde. Et Ilana, elle va te regarder avec un regard noir. Je vais leur dire qu'on en rediscutera.